période de soudure, a besoin de 136 000 tonnes de riz. Le besoin en riz durant la période de soudure au Maine-et-Loire est de 136 000 tonnes. Un gap énorme est constaté actuellement, selon les précisions de Nourdine Chabani, ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, au cours d'une descente effectuée à Tourmassne. Le besoin en riz pour Tourmassne, par exemple, est de 250 tonnes par jour, si celui d'Antananarivo est de 500 tonnes. La société importatrice Phoenix de Tourmassne dispose actuellement de 4000 tonnes dans son magasin, mais cela s'avère insuffisant selon le ministre qui incite les opérateurs à importer davantage. Il s'est toutefois réjoui du fait que cette société vend le sac de 50 kg à 63 000 ariages. Une descente effectuée au sein d'une autre société a permis de constater que celle-ci vend le sac à 67 000 ariages. Une mise en garde a été faite par le ministre qui a indiqué que les opérateurs doivent aussi tenir compte des difficultés rencontrées par la population et éviter ainsi de gonfler leurs marges bénéficiaires. Des descentes auprès des détaillants ont également eu lieu. Profitant de son passage à Tourmassne, le ministre a également rencontré les importateurs et les grossistes. Parmi les problèmes soulevés par les opérateurs figurent les problèmes de magasinage, de retard dans le dédouanement des marchandises.